Une clinique annonce par erreur à ses 8000 patients qu'ils souffrent d'un cancer. Au Royaume-Uni, un centre de chirurgie voulait souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année à ses patients. Par mégarde, le personnel a toutefois envoyé des SMS révélant qu'ils étaient atteints d'un cancer du poumon avec métastase, de quoi provoquer une onde de choc chez les destinataires qui ont finalement reçu un message d'excuse au bout d'une heure. Oh. Non mais la blague, c'est chaud. Ils indiquaient qu'ils avaient un cancer du poumon agressif avec métastase et de les exhorter à remplir le formulaire DS1500 qui permet aux patients en phase terminale de réclamer rapidement des prestations. Je venais me faire enlever un grain de beauté et j'attendais le résultat d'une biopsie. J'avais été à l'hôpital car mon frottis était revenu à normal. Alors oui, j'étais très inquiète. Dans son message d'excuses, la clinique précise qu'elle voulait simplement souhaiter de bonnes fêtes à ses clients. Ah bah super, hein. Super fin d'année, hein. Dans le stress, dans la peur, quoi. Veuillez accepter nos sincères excuses pour le message précédemment envoyé. Celui-ci a été envoyé par erreur. Notre message aurait dû indiquer « Nous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année. En cas d'urgence, veuillez contacter NHS 1111. » Sur sa page Facebook, pardon, l'Askern Medical Practice a invoqué à la fois une erreur humaine et un bug informatique. Bien qu'aucune donnée n'ait été violée, nous pouvons confirmer qu'une erreur du personnel administratif a été commise, pour laquelle nous nous sommes excusés immédiatement après en avoir pris connaissance. Ils ajoutent, il s'agissait d'une erreur informatique isolée, pour laquelle nous sommes extrêmement désolés, et des mesures seront prises pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Toujours est-il qu'indiquer à tort à quelqu'un qui souffre d'un cancer en phase terminale n'est pas anodin. Les patients auront du mal à pardonner à la clinique. Bug informatique ou pas. Bah, c'est ça. C'est vraiment très limite, hein. Quel scandale, quand même. Bon, vous auriez reçu ça comment, vous? Mentalement parlant, si vous avez eu un SMS de ce niveau. Putain, panique, quand même. Chaud. Allez, ciao.